Hop. Là, c'est chez moi. Il y a des impacts de foudre en ce moment chez moi. Et de l'orage. J'ai déjà mis mon équipement. Je vais les replacer. Voilà, petit orage localisé. C'est fait, mais il est quand même vachement électrique. Alors regardez l'heure qu'il est. 7h20 du matin. Ah, impact. Alors moi j'ai pas encore pris en photo, lui. Bon, l'orage il s'éloigne. Oh, un peu bleu au fond. Ouais, il n'aura pas plu, chez moi en tout cas. En tout cas, il a l'air de bien s'organiser l'orage. On a gagné 2 degrés après l'orage, même s'il n'y a pas plu. Bon, normalement, j'aurai de l'orage à 18h. Donc à mon prochain orage attendu ce soir. Il est que 7h40 maintenant. Nouvelle petite cellule arrive, enfin, est proche de moi, ici. Elle vient pas vers moi, ça c'est dommage. En tout cas, j'ai une belle couleur. Je pense pas que vous avez entendu là. Mais... Voilà, c'est ça. C'est la cellule que j'observe. C'est beau, c'est ça aussi. J'avais déjà vu un orage ce matin. Il y a des impacts assez proches, mais bon. Pas le cas pour celui-ci.
C'est pas beau, toi? Normalement, je devais avoir un oral beaucoup plus puissant. Malheureusement, j'ai rien eu. J'arrive pas à parler. Trop bête. Normalement, l'orage m'aurait dû apporter beaucoup de pluie. Il aurait dû être à peu près modéré selon le modèle AROM. Quand j'avais regardé les prévisions, il avait dit potentiel. Je l'ai vu, il y avait même des rafales à 90-100 km/h à l'intérieur de l'orage. Je pense pas que celui-là il fait 100 km/h. M'étonnerait fort. Puis je vois pratiquement pas d'impact. D'ailleurs, je n'avais pas vu du tout. Voilà ce que je peux observer. Juste ce. Pratiquement coucher de soleil. Il reste encore 1 heure, 2 heures de jour là. Vous pouvez remarquer aussi qu'il n'y a plus de vent. Belle ambiance. J'aurais cru avoir un orage, un peu plus modéré, mais bon. L'orage il n'est pas venu vers moi, il est passé là. Passé à Saint-Dizier. Malheureusement, bah, j'ai rien eu. Mon dernier orage, c'était le 14 avril, me semble. La première vidéo quoi, que j'ai faite de ma saison, je crois que c'est le 14 avril. Donc, bah, je commence un peu ma santé. Il y a longtemps que j'ai pas eu d'orage. Bah si, j'en ai eu un ce matin, mais il était faible. Mais il était organisé. Bon, malheureusement, au loin, il n'y a plus de cumulonimbus. Et des cumulus. Je pense pas avoir d'orage après. Autant vous dire que bah, je voudrais bien avoir un orage là, maintenant tout de suite. Je suis très impatient. Je pense que ouais. On est quel jour? Attendez, je regarde. On est le 19 juin. Mercredi 19 juin, ouais, c'est ça, mercredi. Le dimanche, ils annoncent canicule à partir du dimanche chez moi. Donc, apparemment, mardi, mercredi, peut-être des orages forts, mais bon, on va regarder ça plus attentivement, quoi.
voilà. Je vous explique vite fait, là, l'orage normalement. Celui que je devais avoir, il devait venir vers 19h. Bon, c'est ce qui s'est produit, il est arrivé vers 19h. Et quand j'avais regardé le modèle à Rome, je l'ai regardé à 16h. Donc il a été actualisé, pardon, à 16h. Je l'ai regardé un peu après, 17h, pour avoir les dernières mises à jour du modèle. Puis selon la dernière mise à jour, il devait venir plein sur moi. Bon bah il est là-bas. Je suis déçu. Même un modèle à maille fine, c'est pas. Je sais qu'il faut pas les croire à 100%, mais je suis déçu. Il y a des cumuls de pluie à 15 mm, un rafale à 100, je te dis. Bon, localisé à 100. Mais bon, je pense pas qu'il fait 100. À moi qui. Reprendre l'activité. Même la simulation satellite, il devait venir vers moi. Oh, j'ai des gouttes. Ah, bref. Voilà. Bla 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 bla. Sur ce, bah, j'ai arrêté ma vidéo. Hein. Dans cette vidéo-là, comme vous l'avez vu dans mon titre, je vais pas. C'est pas. Je la mettrai pas sur ma saison orageuse. Hein. Alors, il n'y a pas eu l'orage. Quoi, ça sera peut-être une longue vidéo, je pense. 10 minutes, je vais voir au montage. Je dirais 10-15 minutes. Je parie 10-15 minutes. Oh, joli! Très très joli. Ouais. Je vais vous montrer là. Non, ouais. Je sais pas comment je vais faire le montage. Ce qui était prévu pardon, par Kerenos et Estofex. Donc il y avait du potentiel, malheureusement, bah, j'ai pas eu grand-chose. Pas qu'il pleut deux gouttes là. Bon. Allez, sur ce, bonne journée à vous, bonne soirée. Puis bah, à la prochaine, si on va. Sur ma chaîne quoi, sur ma chaîne de chasseur d'orage du fin de. Allez, à plus. T'as vu autre chose, juste vite fait, que je fasse pas trop long. Ça, je suis sûr que c'est dû au lac du Der que l'orage n'est pas venu. Comme je vous ai expliqué dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, c'est comme si. Là, c'est chez moi, on est d'accord. Il y avait une bulle, puis les orages ils peuvent pas venir vers moi en fait. Vous dites, je suis con, n'importe quelle connerie. Non, ça fait 9 ans que j'habite ici. Ce que je constate à chaque fois, c'est que les orages ils sont détournés soit là-bas, soit là-bas. Bon, là, il venait en face, donc bah, il est venu au lieu de venir tout droit comme ça. Il est venu un peu tout droit puis il s'est décalé chaque fois. Quand on a que des orages là, quand il y a un orage qui vient vers moi, c'est généralement que c'est un orage assez violent. Voilà, malheureusement, vous voyez bien que l'orage est assez faible. Hein. Donc forcément, bah, c'est sûrement pour ça qu'il est pas venu. Voilà. J'espère que j'ai été clair, tiens, dis-le. Dans les commentaires, je vais faire une fiche là en haut à droite de la vidéo. Dis-le si j'ai bien été clair, si tu as compris ce que j'ai dit. Et sache que non, c'est pas un délire, je raconte pas des conneries. C'est vrai que c'est assez étrange. Bon, allez, à plus!